Hello, bonjour, je vais parler de Meghan Markle, on va parler de politique américaine. Bon, Meghan Markle vit sa vie tranquillement, ne se mêlant pas de ce qui se passe dans la politique, hein, se mêlant de ses affaires, mais la presse anglaise, voulant absolument écrire des articles, veut absolument la traîner dans ce drama qu'est la politique américaine en ce moment. Meghan Markle n'a pas dit qui elle soutenait, n'est-ce pas, vu qu'elle est démocrate. Mais vu elle avait discuté de Kamala Harris il y a longtemps, ben ils ont ressorti ça pour dire qu'elle soutenait Kamala Harris et que voilà, elle serait prête à faire ceci ou faire cela. C'est vraiment ridicule. Meghan Markle ne s'est pas exprimée sur la politique, même si je trouve que c'est son droit, hein. Elle est américaine, après tout, il s'agit du président des États-Unis, donc elle a en droit de dire ce qu'elle pense, si elle voulait le dire, n'est-ce pas? Mais elle ne va pas le faire. Elle est en droit de voter parce que, comme je le disais, elle est citoyenne américaine. Mais les tabloïds essaient toujours de créer non seulement un drame, mais faire en sorte que les gens détestent Meghan et en profiter pour taper sur Kamala Harris. Je ne vois pas le lien entre Kamala Harris et Meghan Markle, mais bizarrement, ces gens ont trouvé le lien. Ils ramènent Meghan Markle à toutes les sauces. Comme par exemple, la dernière fois, j'ai vu un article qui n'avait rien à voir avec Meghan, mais étrangement, le nom de Meghan y apparaissait. C'est ridicule. Donc, je voulais vous parler de ça. Ils inventent des choses, hein. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Ils n'ont rien d'autre à écrire. Les autres membres de la famille royale sont barbants. Ils ont envoyé dernièrement la Béatrice York représenter le roi Charles lors d'un événement et personne n'était intéressé. Ils ont sorti un petit truc dans les journaux, il y avait très peu de commentaires et presque pas de vues. Donc c'est pour vous dire que les gens vraiment n'en ont rien à faire des autres membres de la famille royale. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.